Cette prédication est intitulée « La puissance du Saint-Esprit ». Vous savez, très chers téléspectateurs, le Saint-Esprit, il est la troisième personne dans la divinité. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, comme plusieurs personnes pensent. Le Saint-Esprit n'est pas une force dédiée, comme certaines personnes pensent. Le Saint-Esprit, il est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous allons lire l'évangile de Saint Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. « Allez faire toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est une personne. Le Fils est une personne. Le Saint-Esprit aussi est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une force de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, vous avez dans la Trinité ce qui les différencie, c'est la fonction. C'est la fonction qui fait la différence entre les pères et les fils et le Saint-Esprit. C'est la fonction qui les différencie. Mais les trois sont égaux. Le Père est omnipotent, le Fils est omnipotent, le Saint-Esprit est omnipotent. Le Père est omniscient, le Fils est omniscient, le Saint-Esprit est omniscient. Le Père est omniprésent, le Fils est omniprésent, le Saint-Esprit est omniprésent. Les trois sont égaux, mais ce qui les différencie, c'est la fonction. Les pères et les grands chefs, les fils et l'héritier, le Saint-Esprit et les serviteurs. Le Saint-Esprit, il est le Dieu serviteur. Parce que c'est lui qui exécute l'ordre de Dieu. Le Saint-Esprit, il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute l'ordre de Dieu. Le Fils soumet à la volonté du Père et le Saint-Esprit soumet à la volonté du Fils.
C'est comme cela fonctionne la Trinité. Vous savez, Jésus-Christ dans l'évangile de Saint Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui. Il parlera de tout ce qu'il aurait entendu de moi. Nous allons lire ça, évangile de Saint Jean, chapitre 16. Évangile de Saint Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera tout ce qu'il a entendu. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui. Il parlera de Jésus. Donc Jésus voulait dire tout simplement, le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui. Il parlera de moi. Moi signifie Jésus. Il parlera de Jésus. C'est ça que Jésus disait à ses disciples. Le Saint-Esprit, il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute l'ordre de Dieu. C'est lui qui exécute la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit au début, le Fils obéit à la volonté du Père. Et cette volonté du Père que le Fils obéit, le Saint-Esprit aussi obéit à cette volonté. C'est comme cela fonctionne la Trinité. Praise God. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, il est le premier Dieu qui s'est révélé dans la Bible par son nom. Le premier Dieu qui s'est révélé dans la Bible par son nom, c'est le Saint-Esprit. Nous allons lire ça. Évangile, non, c'est pas Évangile, c'est Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse, chapitre 1, verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit de Dieu. C'est le premier nom qui s'est révélé dans la Trinité. C'est le Saint-Esprit. C'est son nom qui s'est révélé premièrement dans la Bible. Quand la Bible nous dit au commencement, Dieu créa, ça c'est le pluriel. Au commencement, le Dieu créa. C'est ça la meilleure traduction. Au commencement, le Dieu créa. Parce que le mot Elohim, c'est un mot pluriel. Je vais vous démontrer encore cela pour une meilleure compréhension. Nous avons Eloa au pluriel, c'est Hello
Eloa. Au pluriel, c'est Elohim. C'est le pluriel. Praise God. Ça, c'est le pluriel. La Bible nous dit au commencement, le Dieu. On n'a pas dit au commencement, Eloa créa. Non. Au commencement, le Dieu créa. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Donc, le Saint-Esprit, il est la première personne dont son nom était révélé dans la Bible. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça c'est très important. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça, c'est les premiers noms dans la Trinité qui s'est révélé dans la Bible. L'Esprit de Dieu, donc, je vais vous démontrer encore cela. L'Esprit de Dieu, Roi, Roi Elohim, Roi Elohim. Roi Elohim, l'Esprit de Dieu. Ce mot roi n'est pas au pluriel. Ce mot est au singulier. Ce nom est au singulier. Mais par contre, le nom ici est au pluriel. Donc s'il faut faire une meilleure traduction, on allait dire l'un d'esprit de Dieu. L'un d'esprit de Dieu. Ou bien un esprit de Dieu. Se mouvait au-dessus des eaux, de la terre. Parce que ce mot est au singulier, par contre, ce nom ici est au pluriel. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, de la Bible. J'ai relié encore ces saisies. Je vais relire ce passage. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Vous savez, très chers téléspectateurs, j'ai beaucoup aimé la version Darby. La version Darby dit « Et l'Esprit de Dieu planait. » Et c'est ces mêmes versions que j'ai ici. Ça, ce n'est pas Darby, mais la traduction est exacte avec la version Darby. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Par contre, dans d'autres versions, ils ont traduit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Praise God, hallelujah. Vous savez, les mots planer en hébreu, c'est mera hefet. Mera hefet. Mera hefet. Je vais écrire ça. Thank you.
viendra est faite. Mais rat, Mera he Mera Mera est faite. Mera est faite. Mera est faite. L'esprit de Dieu, Mera est faite. Et dans d'autres versions, dans d'autres versions, ils ont mis l'esprit de Dieu s'est mouvé. Vous savez, la traduction de la Bible dépendait des manuscrits. Chaque traducteur avait, par exemple, la version Darby. Il a traduit la Bible par le codex de Leningrad. Et dans ce codex, le mot qui est là-bas, c'est Mera Hefet. Mais par contre, dans d'autres versions, le mot qui est là-bas, c'est Raka. Vous savez, j'ai beaucoup aimé la version Darby. Cette version a suivi exactement la traduction de la Bible. L'esprit roi, Elohim, Mera, Hefet, Al, Pene, Maïm. Darby l'a traduit correctement. L'esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Al. Péné, Maïm, Maïm signifie l'eau, les eaux. Oh, praise God, hallelujah. Vous savez les mots, je vais enlever d'abord ce tableau. Vous savez, très cher, téléspectateurs, il est très important de connaître les langues originales de la Bible. Il est très important, très cher, téléspectateurs. Et si vous connaissez les langues originales de la Bible, vous allez prêcher avec précision. Vous n'allez pas se tromper. Praise God! L'esprit de Dieu planait. Le mot Mera est fait. Ça, c'est aussi, je peux dire, le mot Mera est fait. Dans un autre sens, ça signifie, c'est comme un drone qui parcourt dans l'espace. C'est comme un drone qui survole dans l'espace. Et donc, quand la Bible dit l'esprit de Dieu Mera est fait, Al Pene Maïm. Donc, pour une meilleure compréhension, ça signifie l'Esprit de Dieu survolait la face des eaux comme un drone. Comme un drone qui survole dans l'espace. Ruach Elohim. Mera Hefet. Al. Pene Maïm. Praise
Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. L'Esprit de Dieu planait. Sur la face des eaux. Il survolait comme un drone sur la face des eaux. Mais alors la question qu'on va se poser, pourquoi le Saint-Esprit planait sur la face des eaux? Pourquoi il planait? Le Saint-Esprit planait sur la face des eaux parce que il était envoyé pour recréer le monde. Le Saint-Esprit est l'exécutif de Dieu, c'est lui qui exécute l'ordre de Dieu. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour recréer le monde. Vous savez, le monde dont nous habitons, ce monde était recréé. Nous vivons dans un monde recréé. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. Les premiers habitants, où je vais bien parler cela, donc pour être bien précis, je dirais, ce n'est pas l'homme qui vivait avant sur cette terre. La première personne qui vivait dans cette terre, c'était le diable. Les diables vivaient dans cette terre avant l'homme. L'homme n'est pas la première personne qui habite la terre. L'homme n'est pas la première personne qui habite la terre. La terre était habitée avant par les diables. Vous savez, si vous voulez comprendre ou si vous voulez comprendre tout ce que je vous dis, regardez dans toutes mes vidéos. Et vous allez trouver un message qui parle des mondes anté-adamiques. J'ai fait, je pense, 3 vidéos, 4 vidéos. J'ai parlé sur les mondes anté-adamiques. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. Les premiers habitants de la terre, l'homme qui a vécu avant Adam et Ève sur la terre, c'était le diable. Le diable a vécu sur la terre avant l'homme. À cause de sa rébellion, Dieu a détruit la terre. Vous savez, dans la Bible, nous avons 2 déluges. Les gens pensent que nous avons un seul déluge, nous avons 2 déluges. Les premières déluges, c'est dans Genèse, chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Non, la meilleure traduction, c'est la terre devint. La terre était devenue informe et vide. Parce que le verset premier nous parle, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Et verset 2, la terre devint informe et vide. La terre devient tohu bohu. Dieu a détruit la terre à cause de la rébellion du diable. Le diable était chassé sur la terre. Suivez ces vidéos, vous allez comprendre que je n'invente rien. Je prêche des choses qui sont écrites dans la Bible. Ça, c'est le premier déluge. Le deuxième déluge, c'est le déluge de Noé. Donc, nous avons 2 déluges dans la Bible. Donc, le monde d'où nous habitons est un monde recréé. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour recréer le monde.
Parce que c'est lui qui est le conseil exécutif de Dieu. La Bible lui dit, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et qu'est-ce nous dit la Bible? Et Dieu dit que la lumière soit. La Bible nous dit, et la lumière fit. Dieu a donné l'autre. Et le Saint-Esprit a exécuté l'autre. Et la lumière était apparue. C'est le Saint-Esprit qui a fait que la lumière apparaisse. Dieu a donné l'ordre et le Saint-Esprit a exécuté l'ordre. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu planait, l'Esprit de Dieu d'une façon claire, je dirais, l'Esprit de Dieu a précédé Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était avant que Dieu prononce que la lumière soit. Et la Bible nous dit, la lumière fut. C'est le Saint-Esprit qui a fait que la lumière apparaisse. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait que la lumière apparaisse. Il est le conseil exécutif de Dieu. Praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, le Saint-Esprit, il est le premier envoyé de Dieu. Vous savez, dans la Bible, quand vous voyez l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Le mot ange signifie envoyé. Le Saint-Esprit, il est l'envoyé de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit au début, il est le Dieu serviteur. Nous avons le Dieu chef, qui est le Père. Nous avons le Dieu héritier, qui est le Fils. Nous avons le Dieu serviteur, qui est le Saint-Esprit. Il est le premier envoyé de Dieu. Donc dans la Bible, quand vous voyez l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Moïse, dans la buisson ardent, la voix qui lui parlait, c'était le Saint-Esprit. Lisez Actes des Apôtres. Nous allons lire Actes chapitre 7. Actes 7. Verset 30 à 32. Actes 7, 30 à 32. Je vais commencer au verset 30. Ok? 30 à 32, c'est ça. 40 ans après, un ange lui apparaît dans le désert. Du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. En les voyant, Moïse fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour considérer de plus près, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ici, c'est Étienne qui parlait ces choses. Moïse a entendu la voix de l'ange. C'était un ange qui était apparu dans les buissons ardents. Et quand cet ange parlait, la Bible nous dit que c'était Dieu qui parlait. Moïse ôte tes sandales. L'endroit où tu es, il est sacré.
L'ange de l'Éternel, dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10 à 15. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, qui devint leur ennemi lui-même, d'y combattre contre eux. Alors son peuple se souvint des jours anciens, du temps de Moïse, où donc, disait-il, et celui qui les fit sortir de la mer avec les bergers de son troupeau, où est celui qui mis au milieu de son Esprit Saint, qui pendant leur marche soutient de son bras glorieux la main droite de Moïse, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les conduisit à travers les flots comme un coursier dans la plaine sans qu'il fisse un faux pas, comme un troupeau qui descend d'aller dans la vallée, ils furent conduits dans une contrée paisible par l'Esprit de l'Éternel. Et c'est ainsi que tu as guidé ton peuple pour te faire un nom glorieux. Tous les miracles que Moïse avait fait, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Tous les miracles que Moïse a fait, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Dans les buissons ardents, Moïse avait rencontré le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui lui parlait dans les buissons ardents. Il est Dieu. Il est le conseil exécutif de Dieu. Il exécute l'ordre de Dieu. Praise God, hallelujah. Il exécute l'ordre de Dieu. Nous allons lire encore Ésaïe. Verset 36. Alors un ange de l'Éternel entra dans les camps des Assyriens et il fit périr 185 000 hommes. Le lendemain matin, on ne voyait que des cadavres. Sakhérib, roi d'Assyrie, leva alors son camp et s'étant mis en marche, il retourna à Ninive, qu'il ne quitta plus. Un jour qu'il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramalek et Saretcher, ses fils le tuèrent à coups de l'épée, puis ils s'enfuirent dans les pays d'Arara. Et Sahad, dont son fils régna à sa place. La Bible nous dit l'ange de l'Éternel a tué les Assyriens. Or l'ange de